À vous qui souhaitez rencontrer le bonheur en cette vie, préparez-vous à le recevoir en faisant de la place dans votre cœur et dans votre esprit. En regardant attentivement ce qui encombre votre mental, prenez soin de vous séparer des pensées inutiles et nuisibles, telles les critiques, les ressentiments, les jugements négatifs et violents. Ne gardez que les bons sentiments, et si vous le voulez, faites cela maintenant. Pour trouver les trésors que la vie vous réserve, il faut croire en votre pouvoir de les découvrir par vous-même et en votre capacité à les multiplier. Comme un miracle que vous pouvez réaliser, prenez confiance en vous. Parfaitement détendu, tout en respirant calmement, invitez le bonheur à entrer dans votre existence et attendez-vous au meilleur. Pour accueillir un invité aussi prestigieux et aussi noble que le bonheur, vous devez rendre votre maison intérieure aussi belle que possible. D'abord, il faut qu'elle soit propre et en ordre. L'introspection et la détermination sont les meilleurs ustensiles de ménage qui vont facilement détecter les poussières et les salissures dans le fouillis du mental. Le pardon saura les nettoyer et l'engagement dans un nouveau comportement bénéfique aux autres autant qu'à vous-même mettra de l'ordre et de la paix dans votre espace intérieur. Vous pouvez commencer. Toujours accompagné par les trois guerriers de lumière, l'espoir, la joie et le courage, cessez de vous en faire, ayez confiance en vous. Par la fenêtre grande ouverte de votre cœur confiant, un nouveau souffle entre en vous.
le souffle du bonheur. Sentez cette onde légère qui parcourt votre être et qui dénoue toutes les tensions. Le corps se détend, le mental se repose. Comme des papillons, vos émotions sortent par les pores de votre peau et vont joyeusement s'ébattre dans l'espace d'une liberté retrouvée. Laissez faire. Inspirez, expirez et détendez-vous. Ne retenez plus vos pensées et laissez-les passer comme les nuages passent dans le ciel. Tenez-vous prêt, le bonheur est à votre portée. C'est une vague de douceur qui entre dans votre cœur et vos souffles s'enroulent et se déroulent au rythme de la paix qui s'installe en vous. Soyez attentifs et laissez faire. Une tendre musique diffuse sa mélodie pour vous récompenser des efforts accomplis. Sur les chemins d'aboutissement du voyage intérieur, le temps vous accorde une pause. C'est un instant d'une infinie tranquillité. Entre deux mondes, il vous semble flotter. Tout est si calme, tout est si doux. Rien à saisir, plus rien à retenir. Il semble que vous soyez comblé. Laissez-vous apprécier. Sans s'annoncer, le bonheur est entré. Il a posé son cœur dans votre cœur et votre univers a changé. Les mauvais souvenirs, les chagrins, les rancœurs se pressent de vous quitter. En vous, c'est tout l'amour, la bonté, la patience qui viennent les remplacer.
Les voiles de l'ignorance se lèvent sur la sagesse qui fait de vous votre propre leader, votre propre maître. Laissez-vous enseigner et laissez-vous guider. La nature de la vie est une grande entreprise au service de la cause la plus importante, l'évolution pour le bien de tous. Le bonheur est dans vos qualités naturelles qui, parmi vos attentions et vos talents, inspirent les autres à faire jaillir les leurs. Chaque pensée, chaque action compte pour l'évolution du monde. Le bonheur enseigne l'amour rayonnant. Il accorde le pardon et permet la réconciliation. Et quand il parle à vos oreilles, il vous dit « Apprenez à aimer et soyez bon envers vous-même. » Entendez-le, écoutez-le et suivez-le. Amour rayonnant, pardon qui permet la réconciliation. Dans son habit de soleil, le bonheur brille au firmament de chaque jour. Il suffit d'élever son regard vers le ciel des progrès que l'on décide de faire. De cette manière, le bonheur ne nous quitte jamais. Et puisqu'il est entré dans votre cœur, prenez soin de lui comme on prend soin de la plus belle fleur. Laissez-le s'épanouir, répandre son parfum de sagesse et émerveiller tous les cœurs qui croisent les chemins du vôtre. Le bonheur est en vous, sachez le faire durer. Sachez le partager. Vous êtes un soleil dans le soleil du monde qui aime et qui éclaire, qui partage et qui aide, car le bonheur, c'est vous. Doucement et tranquillement, revenez à l'instant présent. Portez votre attention au centre de votre corps. Inspirez, expirez. Commencez à bouger vos mains et vos pieds. Et dans le bonheur que vous êtes, reprenez le cours de la journée.